Journal de la réalité 1987. Pourquoi, dans toutes les réalités, toutes les jungles grouillent toujours de serpents et de prédateurs? Enfin bon, Maeve en vaudra clairement la peine. Les gens du coin disent que c'est un cœur sauvage. Nous, on appelle ça un métamorphe. La rumeur dit que les dieux lui ont octroyé trois formes. Requin, harpie et... En fait, personne n'a vécu assez longtemps pour voir la troisième. Bref, ça promet. Journal de la réalité 42. La prochaine recrue se fait appeler Condor. J'ai enfin réussi à le convaincre d'arrêter de monologuer sous la pluie à propos des cerisiers en fleurs ou je ne sais pas quoi. La légende raconte que c'est un esprit vengeur remis à la famille impériale il y a des siècles et transmis à chaque génération depuis. On dit qu'il accorde n'importe quel souhait de vengeance, même le plus horrible. Du coup, faisons bien gaffe à ce qu'on souhaite. Journal de la réalité 312. J'ai trouvé une place au premier rang pour voir ce type. Ça, c'est du guerrier. Il a tout, l'intensité, les biscottos. Il a pas peur de salir. Ah, dégueu. Oh non, regardez-moi ces inconscients qui viennent le provoquer. Laissez tomber! Sérieux, les gars, vous allez le regretter! Ils savaient être chauds de le recruter. Juste une seconde, que je reprenne mon souffle. Donc, est une chasseuse de primes, mais de l'espace, rien que ça. Et là, on vient d'affronter, je sais même pas ce que c'était, un truc de 9 étages de haut, très en colère. Mais il y a des lasers, et elle se déplace comme ça, en zéro jet, tac. Je mets encore le cœur qui bat pour la caisse tellement j'ai cru que j'allais y rester. Mais il a survolé tout ça comme ça, l'air de rien. Sur l'île, voilà quelqu'un qu'on n'arrêtera plus. Faut que je m'assoie. Voilà, je m'assois. Oh, la vache. Journal de la réalité 3258. J'ai l'impression d'être traqué par quelque chose. Quoi que ce soit, j'espère que ça a la dent dure, parce que j'ai commandé un petit déj de tueur. Qu'est-ce que je vois? Me dis pas que tu cales déjà, vieux. Excusez-moi, c'est possible d'avoir un doggy bag pour mon pote? Journal de la réalité 982. Honnêtement, au début, je pensais qu'il y avait, une sorte d'erreur, quoi. Parce que la chasseuse de primes que je cherche, c'est censé être une psychopathe. Sauf que Lexa, elle a l'air douce comme un agneau. Pour de vrai, hein, si on me disait que son meilleur ami était un chat magique qui parle, je serais même pas surpris. Mais, comme j'ai pu le constater, il ne faut pas se laisser abuser par son air espiègle. Parce que quand Lexa est fâchée, ça dégénère vite. Pour de vrai, ça tourne même au pur cauchemar. Journal de la réalité 20-53-105-28. Je crois que ma cible ne sait pas que je sais qu'elle sait où je suis. Et devinez quoi ? C'est justement ce que je veux. Ça
fait une bonne dizaine de bonds à travers la faille qu'il me traque, mais c'est fini. Parce que dans notre petit jeu du chat et de la souris, le chat ne sait pas que la souris a trouvé un couteau. Mais ouais. L'agresseur est devenu l'agressé. Je l'ai perdu. Bon, c'était sympa d'être l'agresseur. Si vous me cherchez, je serai ici prostré dans la boue. Pour changer. Mais promis, quand j'aurai enfin le dessus, ce sera bienvenue dans la jungle.